Le 8 décembre dernier, alors que des milliers de manifestants, mais aussi des casseurs, déambulaient dans Paris, selon Le Canard enchaîné, Emmanuel Macron était réfugié au palais de l'Élysée, en toute sécurité. Le château s'est transformé en véritable château fort, peut-on lire dans l'hebdomadaire qui explique que 500 gardes républicains du 1er régiment d'infanterie et une centaine de policiers et de gendarmes du groupe de sécurité de la présidence de la République auraient été appelés. Inquiets d'une éventuelle déstabilisation russe, l'Élysée aurait lancé ce samedi 8 décembre une enquête de la sécurité intérieure. Les lances à eau étaient prêtes pour repousser les éventuels ennemis, tout comme un hélicoptère prévu afin d'exfiltrer le chef de l'État, selon Le Canard enchaîné, qui fait une révélation sur les VBRG, véhicules blindés à roues de la gendarmerie, qui ont été de sortie pour la première fois dans la capitale. Selon des rapports de la Cour des comptes et du Sénat consultés par Le Canard enchaîné, il s'agit d'un matériel hors d'âge qui vient d'être repeint. Selon les calculs de deux sénateurs, Philippe Paul et Yannick Vaugrenard, il faudrait 45 millions d'euros pour le renouveler.